Bienvenue à cette heure consacrée, cette série et ces heures consacrées au cinéma en collaboration avec le Festival du film de Saint-Séverin qui célèbre cette année sa 15e édition. Alors, je me présente, Richard Lapointe, président du conseil d'administration depuis 13 ans, si je me rappelle bien, le temps file, et ma collègue Aline Carlier, administratrice, toute récente sur le conseil d'administration, mais qui nous suit quand même depuis plusieurs années. Alors, elle n'est pas tout à fait étrangère au festival. Festival qui a été fondé il y a 15 ans, justement, dans le cadre d'un programme de revitalisation des communautés dévitalisées ou en voie de dévitalisation par Louis Chamberlain et une collègue, Marie Giguère. Louise a lancé l'idée d'avoir ce petit festival une fois, une édition. On le fait une fois, c'est tout. Et d'une chose à l'autre, bien, les gens en ont redemandé. Et d'une année à l'autre, bien, c'est ça. Ça fait maintenant 15 ans que ça dure, où on reçoit justement des invités de marque. Certains très connus, d'autres moins connus. On a eu des grands noms. On a eu le général Dallaire, entre autres. Alors, c'était justement... c'est une belle expérience à vivre, à laquelle on vous convie en écoutant les entrevues qui vont vous être proposées et en venant nous rencontrer, justement. Là, c'est à chaque automne, fin septembre, début octobre. Vous avez tous les détails sur le site. On en reparlera un peu plus tard. Alors, Aline, tu nous as préparé une petite présentation pour le premier film dont qu'on va présenter, dans le fond. Oui, c'est ça. Alors, bienvenue à cette série, hein, comme Richard disait, où on va voir les différentes facettes du métier du 7e art. C'est fascinant. Et ces films ont été présentés dans le cadre de la 14e édition du festival. Ouais. Et le premier film et les entrevues qu'on va vous présenter, c'est « All You Can Eat Buddha ». Alors, c'est l'histoire d'un homme qui s'en va dans le sud, comme plusieurs d'entre nous, et qui va avoir son fameux petit bracelet qui va donner accès à tous les excès. Et Yann Legarde a vraiment travaillé ce thème, il l'a plongé dans le thème, et c'est ce dont il va vous parler avec sa productrice. Je vous invite à visionner. Tu es encore debout, toi? Qui t'a fait aller voir du bout? Santiago! Viens acá! La première question, Yann, je te la pose. Gabriel, bien entendu, tu peux te tenter. C'est une colle. Parce qu'évidemment, le film est quand même assez atypique par rapport à ce qu'on voit habituellement dans le cinéma québécois. Et j'imagine que le public n'est peut-être pas familier avec ton cinéma. Est-ce que tu pourrais me décrire très brièvement la trame narrative de All You Can Eat Buddha? Le plus brièvement que j'ai trouvé pour le décrire, c'est que All You Can Eat Buddha, c'est un bad trip mystique dans un tout inclus.
Est-ce que Gabriel, ça te convient comme définition? Non, ça a été long avant qu'on trouve la bonne, et je pense que c'est la bonne. Sinon, on se perd en explication, puis on se perd dans les méandres. Donc, préférez toujours laisser présenter le film, puis voir les gens se laisser eux-mêmes se faire une opinion du film au lieu d'essayer d'expliquer a priori. Surtout pour ce genre de film-là, parce que c'est pas un film qui appelle l'explication non plus. Même en tant que scénariste, réalisateur, j'aime garder une part de mystère pour ce qui est du récit, des personnages, de la psychologie des personnages, de plein de choses. J'aime ça que le film reste mystérieux même pour moi. Fait que je suis pas du genre à donner tant de réponses que ça. Une des particularités du film, c'est qu'il est tourné, entre autres, bon, il est tourné à Cuba. Mm. Et Gabriel, ma prochaine question, t'es dirigée, t'as quand même un assez long parcours, ben quand même, ça commence une dizaine d'années en production de courts et maintenant de longs métrages de plus en plus. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est de te faire un tournage comme ça à l'extérieur. Donc au niveau, je sais qu'il y a une partie de l'équipe aussi qui était cubaine, si je ne me trompe pas. Et donc le déplacement, le logement, d'avoir une équipe qui est extérieure, qu'on connaît peut-être moins, on s'adapte. Au niveau de la production, est-ce que tu sentais que c'était comme une sorte de plateau que tu venais d'atteindre ou une prochaine étape au niveau juste de la difficulté, de la grosseur de la production? Puis si c'est le cas, je me demandais, c'était quoi l'élément le plus complexe au niveau de la production de ce film-là? Bien, t'as vu juste, c'était très compliqué. C'était très compliqué. C'était une prochaine étape, oui, dans ma vie de productrice. Mais tourner à l'étranger, des fois, ça peut être juste tourner dans une autre ville. T'sais, des fois, c'est nos équipes... Ça reste nos équipes qu'on connaît. On a toujours du nouveau monde, des nouvelles têtes. Mais aussitôt qu'on se déplace... moi, j'ai tourné d'ailleurs en Beauce. Puis quand on est arrivé en Beauce, bien, c'était complètement différent que quand on tournait à Montréal. Puis je pense qu'on avait vraiment bien averti l'équipe. Puis moi-même, je m'auto-avertissais. J'sais, comme l'important là-dedans, c'est qu'on en fasse un mariage. C'est qu'il y a une communion entre les équipes, les deux équipes d'une part, donc l'équipe de Montréal et l'équipe de Cuba, mais aussi dans leur façon de travailler. Donc, on s'adapte à tout. Moi, j'ai appris des choses d'eux. J'imagine qu'ils en ont peut-être appris de moi. Fait que oui, c'était vraiment un beau défi. Je pense que c'était quand même aussi facile de trouver une équipe parce qu'on a fait ça vraiment de manière indépendante. On avait des subventions de l'État, évidemment, pour se déplacer, pour payer les salaires de tout le monde. Mais il y avait quand même... C'était quand même un peu facile de convaincre les gens de partir un mois à la vanne à la fin de l'hiver. Fait que ça, c'était super chouette. Puis la difficulté que j'ai trouvée quand même impressionnante, mais heureusement, Yann, lui, parlait couramment espagnol. C'était justement cette barrière-là de la langue. Parce qu'on a beau dire qu'il parle anglais, mais c'est toujours... Puis nous, l'anglais, c'est pas non plus notre langue première. Donc, c'était un peu plus complexe à ce niveau-là. Moi, j'ai appris beaucoup de mots très rapidement en espagnol pour comme arriver à se faire comprendre. Fait que c'était un mariage. Le mariage a fonctionné. On ne s'est pas divorcé en cours de route. Tout le monde était vraiment content d'être là. Autant l'équipe cubaine que l'équipe de Montréal, je pense. Puis on était ensemble, non tout ça. Ouais. Puis Yann, juste pour peut-être répondre à la même question, parce qu'au-delà du fait que c'était à l'étranger, c'était aussi ta première réalisation de long métrage. Donc, il devait quand même avoir une certaine forme de stress supplémentaire. Je ne sais pas comment tu abordes chacun de tes projets, si tu es quelqu'un de nerveux, mais le fait d'être à l'étranger, d'avoir des gens avec qui tu étais peut-être moins habitué de collaborer, une distribution aussi, qu'il y avait une partie qui était étrangère, je parle du personnage principal. Est-ce que tu sentais que c'était une difficulté supplémentaire? C'est bizarre parce que je suis de nature vraiment anxieuse, mais j'ai grandi sur des plateaux. Fait que je faisais de la TV quand j'étais petit, puis je fais pas mal de direction photo quand même. Fait que je me sens en confiance sur un plateau. J'ai l'habitude de gérer soit du temps, soit des ressources. Mais là, c'était effectivement comme... On prenait ça, puis ça se transposait dans un autre contexte qui était complètement différent. Puis le simple fait, c'est niaiseux, mais le simple fait de le réaliser en espagnol, en français, de France, parce que mon acteur principal est français, en Québec, puis en anglais, parce que certains de nos interlocuteurs là-bas étaient anglais... Juste ce défi-là était quelque chose, juste de se retrouver dans ces directions. T'sais. Heureusement, il y avait plein de monde super motivé, super dévoué. Et puis, les gens qui sont venus à fond avec nous. Parce qu'il n'y avait pas tant de monde que ça qui sont venus de Montréal. On était peut-être une dizaine de Montréal. Ouais, une dizaine. Puis le reste de l'équipe était cubaine. T'sais. Puis donc, ça veut dire que sur une trentaine, disons, On était en minorité. On était vraiment... Il y avait deux fois plus de cubains que nous. Puis en même temps qu'on tournait
Bouddha, ben tu avais Fast and the Furious 8 qui tournait à la Havane, tu sais, puis okay. qui monopolisait le Malecon, qui est comme le boulevard sur le bord de l'eau. Donc, ça... Puis, donc nous, étrangement, on était perçus comme une production ben, de pauvres comparé à Fast and the Furious 8 qui arrivait avec leur bateau puis tout. Fait que ça donnait des drôles de conversations des fois. Fait, disons, en gros, c'est un espèce de flottement weird d'avoir réalisé ça, mais j'étais pas... Le fait de réaliser les films me stresse pas en tant que tel, mais j'ai... Oui, ça, c'était juste... C'est l'enjeu était plus grand parce que c'était un peu sans filet, tu sais. On allait là-bas, on avait 18 jours de tournage, plus 3 à Montréal, mais tu sais, c'est mine avec des transformations, de dégradation d'hôtels, tu sais, des défis de direction artistique monumentaux, beaucoup d'ambition et un temps quand même assez restreint. Donc, il y avait beaucoup... le stress venait du fait que c'était vraiment sans filet. Là, on ne pouvait pas se planter. Puis on ne s'est pas planté, mais c'était stressant. Et oui, évidemment. Mais ce n'est pas le fait de réaliser mon premier long qui me stressait tant que ça. C'était le contexte que j'avais choisi, c'est ma faute. C'est moi qui j'étais pas obligé d'écrire un film qui se passait à Cuba. Mais c'est ça. C'était quand même un pas pire défi. Puis moi, je me sens plus fort d'en être sorti. J'ai peur de rien. Mm-hmm. On n'en a pas parlé, mais tu sais, Cuba, c'est quand même. Ils sont sous un régime. Là. C'est ça. Ils sont sous embargo. Ils sont sous embargo. Premièrement. Du régime. Fait que tu sais, il y a tout, puis il y a rien à Cuba. Ouais. Fait que mettons, s'il te manque une paire de bas pour ton personnage, ben bonne chance pour la trouver, puis et ainsi de suite. On a importé des ampoules. Des ampoules, ouais. Parce que les fluos compacts, des espèces de tubes torsadés, là, ça fait vert à l'écran. Fait que si tu veux des ampoules normales, incandescentes, on en a importé une centaine, je pense. Ouais, il n'y en a pas. Parce qu'il n'y en a pas. On a tout amené, en fait, c'est ça. Fait que pour ça aussi, il ne fallait pas se planter. Il ne fallait pas qu'on ait oublié quelque chose. Bien, la pieuvre. Il fallait amener la pieuvre. Il fallait qu'elle passe les douanes. Tu sais, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais c'est complètement débile. Elle est venue dans deux caisses. Donc, l'armature était dans une caisse. La peau en silicone, un peu louche, veux pas. dans une autre caisse. Tu sais, ça donnait des lieux à des conversations assez particulières avec des responsables de l'autorité locale. Mais oui, c'est comme Gabriel dit, ils sont sous embargo depuis presque 60 ans. Ouais, j'exagère, mais au moins 50 ans. Et puis, ben, il a fallu s'inspirer. On s'est inspiré du système D, parce que là-bas, c'est devenu le système principal de fonctionnement. Le marché noir, je pense, représente. Là, j'ai aucune idée des statistiques, mais une bonne partie de l'économie concrète. Là, puis donc, tu peux pas voir des gens se débrouiller autant, maintenir une Lada puis une Chevy 57 depuis justement 60 ans, puis sans te dire, ben OK, nous autres, si on va se débrouiller, tu sais, parce qu'il y a plein de choses qui ont brisé, parce que c'est la vie. Puis ben faut juste y aller, faut juste continuer, c'est tout. Et par rapport au tournage à l'étranger, est-ce que vous avez pu faire du repérage? Parce qu'habituellement, oui. C'est toujours... Donc, vous avez quand même pu voir les lieux, trouver... Parce que est-ce que c'est un vrai centre de villégiature, si je peux dire? Est-ce que c'était un vrai tout-inclus, Il y a une partie du tout-inclus qui est un vrai tout-inclus. Ce qu'on voit de l'extérieur, les espèces de petits bungalows avec les gaviotas, là, les espèces d'auvents en espèce de petit, je sais pas comment décrire ça, en deux C. Bienvenue, monsieur. Bienvenue à El Palacio. Bienvenue, madame. Vous êtes enfin là, oui. Ma seule et unique mission est de vous satisfaire. Faites-nous plaisir, faites-vous plaisir. Bienvenue, monsieur. Bienvenue, madame. Bienvenue à l'hôtel Palacio. Je suis là pour vous servir. Bienvenue, madame. Je suis là pour vous satisfaire. Bienvenue à l'hôtel Palacio. Faites-nous plaisir. Faites-vous plaisir. Bienvenue à l'hôtel Palacio. Monsieur... Mike. Bonjour, Mike. Je m'appelle Valentino et je suis là pour vous aider. Thank you.
Cher invité, votre chambre est prête. J'espère que vous la trouverez à votre convenance. Bienvenue à l'hôtel Palacio. Nous vous souhaitons le meilleur des séjours. Voici votre clé. Faites-en bon usage. Votre femme de chambre, Esmeralda. Ça, c'était vrai. Puis c'est le premier qu'on a visité. On a visité une trentaine d'hôtels à Varadero, qui faisaient tous un peu centre d'achat. Je sais pas si t'es déjà allé dans un tout inclus, mais c'est un peu ça, l'énergie qui se dégage de ces endroits-là, c'est que ça fait un peu centre d'achat de débauche, mettons. Alors que ce lieu-là avait quelque chose d'un peu plus mystérieux du fait de toute la nature qui l'entourait, puis de l'espèce de... Il y avait une montagne derrière. Je sais pas, c'est le premier qu'on a vu. Au début, je l'aimais pas. Puis finalement, plus on visitait l'endroit, plus je me disais, ah non, ça, c'est... Puis, dans et autour de la Havane, on a trouvé le bunker par pur hasard au bout d'une pointe où il finit par manger David Lahaye à la fin. c'est vraiment une combinaison de lieux qui ont créé un hôtel. Puis, ça peut paraître contraignant, mais moi, j'aime bien ça. Ça crée un lieu qui n'existe pas réellement. Puis ça, cette espèce d'amalgame-là d'endroits, je trouve, a quand même... on a quand même su tirer avantage de cette énergie-là, justement, de la Havane, qui est assez particulière, en fait. C'est ça. C'est un peu ampoulé comme réponse, mais c'est... Ouais. On a triché le lieu, comme on dit. Oui, clairement, on a triché le lieu. Puis on n'aurait pas pu... rentrer dans la durée de tournage si on n'avait pas fait de repérage, c'est impossible. Peut-être revenir un peu en arrière, étant donné que c'est ton premier long métrage, justement, bon, on t'en a parlé, mais tu as fait effectivement beaucoup de courts métrages, dont certains co-réalisés avec Gabriel. Oui. Direction photo également, notamment Vicky Flo, On vu un ours de Denis Côté. Comme tu disais, plutôt quand tu étais jeune, tu étais devant la caméra, donc tu as tourné aussi. Donc, est-ce que cette idée-là de devenir réalisateur de long métrage, c'est quelque chose qui t'habitait depuis que tu es très jeune ou c'est quelque chose qui est venu à mesure de soit faire la direction photo, commencer en faisant du cours? Est-ce que c'était une idée qui était fixe de faire du cinéma, de réaliser ou c'est quelque chose qui s'est construit? Non, moi, adolescent, j'écrivais beaucoup puis je faisais beaucoup de photos. À un moment donné, puis j'aimais la BD. J'ai grandi avec l'Incal de Jodorowsky, j'ai grandi avec Moebius, j'ai grandi avec tout ce qui est métal hurlant. Les humanoïdes associés, tout ça. Fait que j'ai toujours été fasciné par la BD. J'ai toujours fait de la photo. J'ai toujours fait de la photo. J'ai commencé avec 12 ans, mettons. Puis j'écrivais aussi, j'ai toujours lu beaucoup. Pour moi, c'était juste naturel de joindre les deux. Puis j'ai eu la piqûre très jeune des plateaux. Il y a une énergie assez particulière sur un plateau de tournage qui donne l'impression... Puis non, ça fait depuis au moins l'adolescence que je sais que je veux dire, j'avais pas de plan de carrière précis. Je crois pas vraiment à ça, mais j'ai... Oui, ça faisait un bout que ça se travaillait. J'ai pas choisi le plus facile à financer en premier. Mais pour moi, réaliser un court ou un long, je trouve pas que ça a nécessairement plus ou moins de valeur. C'est même des fois beaucoup plus difficile de réaliser un court que de parce qu'un long ou une série, t'as le temps de prendre un certain air d'aller, tu sais. Alors qu'un cours, c'est beaucoup plus pointu. Fait que ouais, pour répondre à ta question, depuis que je... Peut-être pas depuis que je fais de la photo, mais depuis que je suis ado, je sais que je veux réaliser. Ouais. J'aimerais parler de l'acteur principal du film, qui est Ludovic Bertillo, qui a une feuille de route quand même assez chargée. Je pensais qu'il était juste acteur. Mais j'ai vu qu'il écrit aussi beaucoup. Puis moi, je l'avais découvert dans Le roi de l'évasion d'Alain Guiraudy. C'est un cinéaste que j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup le film. Et évidemment, le personnage principal qui incarne une sorte de Bouddha. Évidemment, il faut avoir, la tête de l'emploi. Donc, une certaine... Physiquement, il faut vraiment... ça, c'est quand même assez important, mais ce n'est pas seulement ça. Il y a quelque chose de plus. Donc, il y a une certaine forme de charisme un peu sourd. Il y a un charme. Il y a quelque chose d'assez chaleureux chez lui, même si ce n'est pas nécessairement apparent. Donc, c'est pas juste nécessairement de trouver la tête de l'emploi, c'est vraiment de trouver une sensibilité, une qualité. Je peux me joindre à vous. Oui? M'accompagner?
Avec plaisir. Vous plaire ici, hein? Pour être honnête, je comprends pas pourquoi vous aimez ça, ça. Vous nagez pas, vous fêtez pas. Je peux pas dire que vous dansez non plus. Passez vos journées à fixer l'océan. Et vous, me regardez, faut croire. Que je vous dise la vérité, qu'on se parle entre hommes. Vous prenez absolument aucun soin de votre corps. Ça, je te l'accorde. Vous êtes carrément en train de vous laisser crever. Alors pourquoi elle s'accroche autant à vous? Pourquoi elle vous aime toutes? Et je me demandais comment vous l'avez trouvé, quel était le processus de casting? De dire, est-ce qu'au début, vous vouliez vraiment un acteur étranger? Est-ce que vous avez recherché un acteur québécois? Comment ça s'est passé? Je voulais pas forcément un acteur étranger. L'idée d'avoir quelqu'un qui faisait peut-être un peu plus... dont l'origine était un peu plus nébuleuse me plaisait. On a passé des auditions avec d'excellents acteurs au Québec aussi, là, qui correspondaient au physique, qui avaient le physique de l'emploi, mais qui avaient surtout une profondeur. Parce que moi, dès le début, je voulais pas que ce soit juste un Elvis Gratton. Tout le respect à Falardo, c'est pas ça la question, là, mais c'était, je voulais pas qu'il ait l'air d'un imbécile. Au contraire, je voulais qu'il ait à la fois une profondeur sombre et une profondeur lumineuse. Et puis, ça a été complexe comme processus parce qu'il y avait j'ai longtemps hésité avec certains acteurs d'ici aussi. Mais on dirait que quand j'ai vu Ludovic, qui m'a dit qu'il avait déjà été Géo aussi dans un Club Med pendant au moins une dizaine d'années, qui est un très, très, très bon vivant, disons ça comme ça, là, et qui a beau... se taire peut avoir l'air d'un gangster russe autant que d'un maître zen. Tout ça passe dans son visage. Autant dans le roi de l'évasion, il a l'air innocent, autant dans ça, des fois, il peut avoir l'air complètement menaçant et des fois super enveloppant, super chaleureux. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses qui passaient dans ses silences. Puis c'est super important. C'est de la même manière qu'on a choisi J.T., qui fait Esmeralda. Tu sais, elle dit rien, puis t'es rivé à son regard. Comprende lo que sufro yo. Tanto que ya no puedo sollozar. Sola, temblando de ansiedad estoy, todos me miran y se van. T'arrêtes de pleurer, hein? T'arrêtes de pleurer, cállate. ¡Cállate! Hey, deja al niño tranquilo. ¿Tú comprendes? El niño sin autoridad no es hombre. ¿Ese no es tu problema? Es mi problema cuando esto pasa aquí. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo, Binga? ¿Tú no eres su papá? Binga.
Mesdames et messieurs, veuillez, s'il vous plaît, accueillir directement de Los Angeles, California, le vieux Michael Johnson! Qu'a amené le fait d'aller voir d'aller chercher un acteur ou de se poser la question pour un acteur français, c'est qu'on avait, il y a eu la possibilité d'une coprod pendant quelques semaines. Donc on s'est dit, on va regarder du côté de la France, ça peut être intéressant. Qui d'autre que Depardieu peut être intéressant dans ce casting-là en France? Puis on a trouvé Ludovic, puis c'était assez immédiat comme constatation que c'était pour lui le rôle. T'sais. Puis lui, il est embarqué dans l'aventure, ouais. Sans trop. Non, sachant pas nécessairement, j'imagine, vous étiez qui, un peu, ça a été... On a été chanceux parce que, évidemment, on avait une petite enveloppe. Donc, petite enveloppe veut dire petit cachet. Bien, c'est ça. Fallait pas qu'ils le fassent pour l'argent, disons non. Ça comme ça. Puis en France, bien, c'est des salaires quand même assez différents des nôtres. Et les conditions. Puis ça s'est fait, je pense, 2 ou 3 mois maximum avant le tournage. Fait que c'était comme un peu soudain. Il fallait qu'il veuille, puis il a accepté tout de suite. Moi, j'ai eu quelques nuits blanches en attendant sa réponse, je vous dirais. Mais sinon, il a été vraiment un guerrier, comme on peut l'appeler. Puis, il arrivait tous les jours. Parce que ça a l'air de rien, mais ce film-là, il y a beaucoup de maquillage et beaucoup de transformations. Puis 18 jours, c'est très serré. Fait qu'il arrivait tous les matins à... je sais pas, à 4 heures du matin, se faire maquiller. Il finissait le dernier. Il venait nous rejoindre. Il y a une scène où qui, bon, avec les coups de soleil. Ou qui... Oui, ouais. Il y a cette scène-là. C'était 5 heures de maquillage. À la fin, il est complètement... Il y a même des espèces de patchs sur les yeux. Puis c'était super, super anxiogène pour lui. Parce qu'il y a... Mais étonnamment, malgré tout ça, lui, ce qu'il m'a dit, qui est la pire chose que j'ai demandé, c'est quand... Il y a un plan dans le film où il y a des éclairs derrière lui puis il se tient avec son cocktail. Ça, c'est un peu comme un time-lapse, c'est-à-dire qu'on prend plusieurs images pendant une longue période de temps qu'on compresse ensuite en 5-10 secondes. Il dit que c'est la pire chose que j'ai demandé de tout le film, de se tenir immobile. c'est quand même un hyperactif, Ludovic, donc c'est quand même drôle. Il était nu, il était maquillé tous les matins, ensanglanté. Il devait être sensuel avec une pieuvre. Mais le plus difficile que j'ai demandé, c'est de se tenir immobile. aussi, justement, parlant de... Il y a un aspect quand même assez surréaliste au film. On parlait d'inquiétante étrangeté, mais on parlait d'anxiogène. Mm. Puis il y a tout ça dans le film. Puis je me demandais, étant donné qu'au Québec, on n'est pas habitué nécessairement de voir des films... Bon, on a le cliché du cinéma québécois un peu plus naturaliste, un peu plus frère d'Ardenne, entre guillemets. Mm. Donc, d'avoir une proposition qui est plus près... Bon, je ne veux pas avancer des noms nécessairement, faire des... Mettons Lynch, mettons, par exemple, ou certains cinéastes qui sont plus dans l'étrangeté. Est-ce que c'était difficile, peut-être, de vendre le projet? Je sais que, bon, c'est pas... Gabriel, t'en es pas à ta première production, mais quand on approche les institutions, par exemple, on leur dit, OK, on va aller tourner à Cuba, on va faire un truc totalement éclaté avec une pieuvre, puis l'acteur... Est-ce que les institutions, des fois, on dit, OK, c'est peut-être un petit peu trop bizarre, ou ce qui embarque quand même dans le projet, ou même les gens autour de vous... Le fait que de la nature même du projet qui était peut-être un petit peu plus étrange, puis ce qu'on voit moins souvent dans le cinéma québécois. Bien, en fait, on a été chanceux parce qu'on a bénéficié dans les derniers 1000 d'un programme qui n'existe plus maintenant, qui s'appelle Programme à l'indépendant de la SEDEC. Donc, ça, c'était fait vraiment pour accompagner les jeunes cinéastes qui passaient du court au long. Fait que c'était dans avec des plus petites enveloppes, tout ça. Puis il y a Maxime Giroux, Raphaël Ouellet, il y a plein de cinéastes qui sont passés par là, Stéphane Lafleur, etc. Cette enveloppe-là n'existe plus, mais elle n'a pas été enlevée, elle a juste été mise avec tout le monde. Donc là, c'est pour ça qu'à ce moment-là, bon, il y avait autant de candidats pour le peu de films qui allaient être choisis par le comité, mais au moins, il y avait cette fraîcheur-là qui était correcte. En fait, tu pouvais avoir écrit quelque chose de complètement, justement, plus éclaté ou un peu plus à côté de la plaque de ce qui se fait naturellement, parce que les institutions prenaient un moins grand risque parce qu'il y avait moins d'argent à mettre dans tout ça. Fait que c'était vraiment un programme super. Puis il y a plein de films, justement, tout aussi... Bien, pas tout aussi éclatés, mais un peu différents, disons,
qui sont sortis de ça. Fait que oui, ça a été facile. On l'a eu du deuxième coup. Il y a tout le temps une espèce d'étape de 1, 2, 3 dépôts. Là, on l'a eu au deuxième. Après ça, du côté de Téléfilm Canada, là, c'était un petit peu plus compliqué. Là, ça a été un peu plus long. Puis, mais après ça aussi, ce que m'a fait plaisir, c'est que quand ils nous ont dit « Oui, on vous l'a donné, voici, vous avez l'argent pour aller faire le film », ils nous ont dit, au début, on trouvait ça vraiment ambitieux, en fait. Puis c'est ça que tout le monde se disait. Ouais, mais en même temps, ils viennent du court-métrage. En même temps, c'est Yann Lagarde. Fait qu'ils vont être capables. T'sais. Ils nous ont vraiment fait confiance, tout en sachant qu'on allait en suer un petit coup, quoi. Mais ça fait partie de notre apprentissage. Puis moi, je suis très reconnaissante de ça, ouais. Il y a l'aspect logistique, donc production, qui se pouvait plus avec l'indépendant. Ouais. Mais je te dirais que faire un film de même, c'est ramer quand même à contre-courant d'une éthique cinématographique qui a vraiment fait école au Québec, là, puis qui peut des fois avoir de la misère à accepter, disons, la différence. Quand on fait des trucs fantastiques, on est vite associé au cinéma de genre et au cinéma insignifiant, ce qui ne veut absolument rien dire. Et puis, le cinéma naturaliste est un cinéma de genre aussi. Tu sais. Fait qu'il y a veux pas, quand tu fais des films comme ça, disons que comme premier long métrage, on se l'est pas donné facile. Ben, je me suis pas donné facile en disant non, je vais faire un film fantastique, bizarre, qui se passe à Cuba. Une des premières réactions à la lecture du scénario, c'est « Dois-je comprendre que la pieuvre parle? » Je fais comme « So what? » Il est où le problème qu'il y a une pieuvre qui parle? Que ça m'empêche de réfléchir sur le monde que de mettre une pieuvre qui s'exprime. T'sais, Donc, il y avait une certaine fermeture d'esprit qui existe encore, mais de moins en moins, heureusement.
Puis ça, c'est en train de changer. Bien, c'est ça, on est de notre temps aussi. Là. Moi, j'ai plein d'amis, on a des collègues cinéastes qui tendent vers ça aussi. Les films qu'on a proposés, plutôt en court-métrage, d'abord, c'était toujours des films avec une certaine audace. Puis j'aime croire que c'est pour ça que je fais ce métier-là aussi. Des films plus contemplatifs, plus naturalistes, j'en ai fait aussi, j'en écoute aussi. C'est pas... Oui, c'est ça. C'est pas bon ou pas bon, mais c'est juste... C'est ça. Je pense qu'on est de notre temps puis qu'on fait partie de cette nouvelle génération. Il y a un décloisonnement, tu sais, que ce soit ton film ou que ce soit le film de Robin Aubert, Les Affamés, donc qui est une preuve que le cinéma de genre n'est pas incompatible avec une démarche d'auteur ou vraiment avec un propos plus profond. Hey, j'espère, parce que dire que le cinéma d'auteur est incompatible avec le cinéma de genre est incompatible avec le cinéma d'auteur, c'est dire que Hitchcock, Bergman, Dreyer, Polanski est moins populaire, mais tu sais, Fellini n'était pas des auteurs, tu sais, ce qui est d'une connerie monumentale. Ça, je mange pas mes mots, mais je m'en fous, ça vient me chercher. Mais parlant, bon, peut-être d'inspiration des gens qui ont travaillé cette voie-là au Québec, est-ce qu'il y en a? Je Forcier. Forcier, ouais, oui, c'est ça. Mais Forcier, Gilles Groulx avait commencé à faire des trucs vraiment décalés. Là, son opéra sur son... je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais sur son coffret. C'est Robert ça, Morin aussi, oui, Robert Morin, certain clairement, niveau. Et... d'une autre manière, mais oui. Oui, c'est ça. Kim Nguyen le fait, Denis Villeneuve, Denis Côté. Évidemment. Denis Côté, clairement. Mm-hmm. Il y a eu plus d'exemples qu'on pense, donc finalement. Oui, il y en a eu déjà. Parce qu'il y a encore une certaine façon, au niveau des institutions, d'encore considérer que... Mais c'est même pas juste les institutions, c'est les cinéastes eux-mêmes, parce que souvent, c'est des jurys de pairs. Donc, beaucoup de gens vont croire... En tout cas, à l'indépendance, c'était ça, mais... Beaucoup de gens vont croire que... ou vont s'auto-censurer en disant « Non, non, mais ça... » Ça n'a pas de valeur que de traiter de ces univers-là, ou de valeur, ou de pertinence cinématographique que de traiter de ces univers-là, alors que c'est complètement faux. Jean-Claude Lauzon, pas exactement du cinéma de genre, il y avait une part de fantastique dans ce qu'il faisait, tu sais. C'est sûr que j'en oublie mille. Ah, c'est ça, on va se coucher pour être comme... Pourquoi j'ai pas dit ça? Ça prouve qu'il y en a quand même plusieurs. Puis, Gabrielle, juste pour revenir un peu à ton travail de productrice, t'as confondé Voyait le film en 2009, si je me trompe pas, avec Ménaïque Raoul, c'est bien ça. Ouais. Et depuis, t'as quand même produit une vingtaine de films, et là, je pense que c'est deux ou troisième long métrage à peu près. Oui, on est en post-prod du troisième, puis on tourne le quatrième bientôt, oui. Donc, depuis 2009, moi, j'ai vraiment vu une augmentation, de la création de plein de boîtes de production, de courts-métrages. Je trouve que là, c'est extrêmement dynamique. Mais j'ai l'impression qu'en 2009, je ne veux pas dire que vous étiez des précurseurs, mais quand même un peu, parce que j'ai l'impression que la présente génération de cinéastes qui font du long-métrage en ce moment, beaucoup ont commencé chez Voyait le film. Fait que j'ai l'impression que vous avez quand même un peu ouvert la voie. Et je serais curieux de savoir, en 2009, peut-être même un peu avant, quand vous avez commencé à penser à vous ouvrir une boîte de production, qu'est-ce qui a motivé la création de Voyait le film? Est-ce qu'il y avait personne d'autre qui produisait du court? C'est-à-dire, il y a un trou, il y a un espace à prendre, on le prend. Qu'est-ce qui a vraiment motivé la création de Voyait le film? Bien, c'était vraiment de... Puis ça l'est encore aujourd'hui, c'était de donner une voix puis des moyens à des artistes auxquels on croyait. Fait que ça commençait avec du vidéoclip. Au début, on se disait, on va faire du clip, c'est un peu un carré de sable, on peut créer plein d'affaires, on est super... On n'a pas vraiment de cadre, il y a une liberté totale, souvent. Puis après ça, c'est sûr que tous les gens qui sont venus vers nous pour faire leur film, nous, des fois, on est allé vers des gens aussi, des gens, je parle des créateurs, des scénaristes, des réalisateurs, réalisatrices. C'est toujours des gens qu'on admirait, à un certain niveau, que j'admire encore et toujours. C'est de travailler avec des esprits foisonnants comme ça. C'est inspirant, puis ça nous remplit. Ça va bien au-delà de notre carrière ou de notre métier. C'est vraiment quelque chose qu'on fait avec passion. Puis ça, on n'a pas vraiment... On ne s'est pas vraiment posé de questions. C'est peut-être ça qui nous a mené à bon port. Parce que quand tu y penses, j'ai quelqu'un qui me parlait qui hésitait à fonder sa propre boîte. Puis j'étais comme... Je peux pas te le déconseiller, mais je peux pas te le conseiller non plus. Il y a beaucoup de vagues à passer puis de tempêtes à affronter, mais au bout du compte, je pense qu'on a eu de la chance d'être bien entouré, puis on a eu un certain flair aussi de s'entourer de ces personnes-là. Fait que c'était ça,
la raison numéro un. Après ça, de pouvoir partager ces films-là, ces bébés-là qu'on appelle, de se marier avec les créateurs, puis de lancer ça dans l'univers après, puis de venir dans des... d'aller faire ça à Cuba ou à Saint-Séverin ou au Saguenay ou à Pessamit. Je veux dire, il y a toujours... de le montrer dans des... dans d'autres têtes puis dans d'autres yeux, c'est vraiment... c'est un super salaire. C'est ça qui nous allume. Ouais. Tout le temps pour une dernière question qui vous concerne les deux, donc je vais vous demander d'y répondre chacun, parce que vous collaborez ensemble quand même depuis de nombreuses années, mmh. Vous produisez ces films, donc vous avez collaboré à la réalisation de courts-métrages ensemble. Et la question, c'est, Gabrielle, en tant que productrice, d'une part, qu'est-ce que tu recherches justement chez une réalisatrice, un réalisateur, ce qui te fait, parce que la production, c'est quelque chose qui est de longue haleine, ça peut nécessiter des mois, voire des années, faire un long-métrage. Donc, d'embarquer dans un projet, de s'investir, qu'est-ce que tu recherches chez un réalisateur, une réalisatrice? Et d'autre part, Yann, un peu la même chose, qu'est-ce que tu recherches comme soutien au niveau de la production, comme Gabrielle, comme productrice? Quelle sorte de qualité que tu recherches qui vont t'aider finalement à réaliser tes films? C'est sûr que nous, dans la chance que je décrivais, que j'avais de faire ce métier-là aussi, c'est on travaille avec nos amis aussi. Puis c'est pas du copinage, c'est juste qu'on devient... moi, je suis en parfaite harmonie avec tous ceux avec qui je travaille. Puis c'est beaucoup d'entraide, puis c'est beaucoup... on demande aussi de la rigueur. Je pense qu'on est rigoureux chacun de notre côté. L'artiste, pour défendre ses idées, défendre son œuvre, la construire de toutes pièces. Puis moi, j'espère que j'apporte la rigueur pour l'aider à construire cette œuvre-là. Fait que c'est ça. Puis d'abord et avant tout, que cette personne-là ait quelque chose à dire ou quelque chose à transmettre, une émotion à nous donner. Si moi, je la ressens, bien, je suis convaincue que tout le monde peut la ressentir. Fait que c'est un peu ça, le mot d'ordre, à la lecture, en tout cas, des projets que je peux lire. Si je suis capable vraiment de sentir l'émotion de la personne puis de la voix qu'elle veut donner à son projet, je vais embarquer souvent très rapidement. Mm-mm. Évidemment, une productrice ou un producteur. Je ne serais peut-être pas toujours sa productrice. Ça se fait qu'on sépare, c'est correct aussi. C'est d'abord quelqu'un qui a un réel et sincère coup de cœur pour le projet qu'on leur amène, parce que quand on écrit un film, on prend, je sais pas combien de mois ou parfois d'années pour écrire un projet. Il faut que cette personne-là embarque à 100%, sinon que la personne y croit plus que nous, à la limite, au projet. Et donc, c'est d'abord une partenaire créative. mais ça prend aussi, de nature anxieuse, il faut que ce soit quelqu'un qui ne panique pas quand moi je panique. Que ce soit la dernière personne qui panique sur le plateau. C'est la personne qui trouve les solutions, c'est la personne qui la voit de la raison. Quand nous, en tant que réalisateurs, on est au summum de notre vulnérabilité. Parce que puis même quand t'es anxieux, puis tu le sais que c'est ridicule d'être aussi anxieux que ça pour quelque chose, les enjeux pointent tellement depuis longtemps vers un moment, c'est-à-dire le tournage, que c'est inévitable. T'as beau être à l'aise sur un plateau, t'as beau être dans ton élément, il y a évidemment un moment où tu vas avoir l'impression que tout dérive, tu sais. Puis c'est là où c'est un des moments cruciaux où la production peut juste tenir les rênes puis dire non, ça va, on va trouver solution à telle affaire. Parce que veux pas, le cinéma, c'est un sport d'adaptation. C'est donc des gens avec qui tous les jours il y a des choses qui vont aller de travers ou qui vont des belles surprises qui vont se passer aussi. Et puis c'est des gens avec qui tu vas à la guerre, t'sais. C'est les mêmes gens avec qui j'irais au front s'il y avait un front à y avoir. Je dis pas que j'irais, je pense que je me couperais un doigt avant d'y aller, mais c'est des gens avec qui tu t'en vas littéralement à la guerre. Puis c'est donc des gens de confiance avec qui tu dois travailler, des gens qui croient aux mêmes choses que toi puis qui sont prêts à nager dans le boue quand il faut puis à pédaler dans le bonheur quand ça arrive aussi. Bien, Gabrielle Touga-Fréchette, Yann Lagarde, merci beaucoup encore d'être venu à Saint-Séverin présenter All You Can Eat Bouddha, le meilleur des séjours. Si les gens n'ont pas vu le film encore, ils l'ont manqué en salle dans les festivals, est-ce qu'il est en ligne? Est-ce qu'il va bientôt l'être? Il est sur iTunes. Okay. Sur Amazon Prime. Les gens qui ont Amazon Prime peuvent aller sur Amazon Prime. Ouais.
Mais sur iTunes, c'est... Ouais. Ouais, sur iTunes, c'est pas mal. Parce que les clubs vidéo, ça n'existe plus vraiment. Non, presque plus. Ouais, c'est ça. Même plus à Saint-Séverin. Oui, c'est ça. Saint-Séverin, je pense. Ouais. Je pense qu'on n'a même pas de DVD, de toute façon. Non, c'est ça. On s'est fait des pochettes de DVD, mais on n'a pas fait de DVD. C'est ça. Okay. On a oublié le DVD. Donc, ce sera en ligne. Oui. Donc, ben, merci beaucoup encore une fois. Donc, on invite les gens à aller voir le film. Il va repasser peut-être au cinéma moderne, peut-être. Oui. Ah, OK. Vous pouvez aller sur voyelfilm.com puis trouver mon adresse courriel. Si vous êtes vraiment désespéré, je vais vous envoyer peut-être un lien sacré. Parfait. Donc, merci. Encore une fois, merci beaucoup. Merci. Merci, merci. Espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la perfidia de tu amor. Mike, je m'excuse, Mike. Vous nous manquez à tous. Je parle de vous à tout le monde, de vous et de vos miracles. Je pense avoir compris quelque chose à votre sujet, Mike. Vous mangez parce que vous savez qu'une autre assiette s'en vient, puis une autre après celle-là. Et la promesse d'une nouvelle assiette et la promesse d'un nouveau départ. Vous délirez, Bert. Il n'y a pas de nouvelle assiette. Pas de début ou de fin, pas même d'appétit. C'est magnifique. Sérieusement, Bert, je préfère vraiment qu'on me laisse tranquille. Je sais. Seul un faux prophète aura besoin d'attention. C'est tout, Bert? Pour l'instant, oui. Mais nous viendrons vous rendre hommage le plus tôt possible. Vous pouvez compter sur nous. Écoutez, Bert, j'ai jamais compté sur personne. Et je vais pas commencer avec vous. Je veux seulement et simplement qu'on me foute la paix. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette interview avec Yann Lagarde et la productrice aussi du film. Et c'est cette année, pour le 15e aussi, nous avons un film qui s'intitule « Cuba, merci, gracias ». Et nous aurons avec nous, à la fin du film, le réalisateur ainsi que les deux comédiennes qui ont joué dans le film. Alors, ça va être vraiment intéressant de voir trois personnes du film très impliquées. Ah! Tabarnak! Oh, brûlada! Estoy brûlada! C'est comme beau dans un sens que tu tripes autant sur tes boules. Hé, hey, je tripe pas sur mes boules! Oui, tu tripes sur tes boules. Ah! Ben là! Oh! Avec un accent espagnol. Ben là! Et moi, j'ai genre hâte d'avoir comme du sable dans mon maillot. Ouais, ouais, je comprends. Ouais. Je veux-tu avoir du sable dans le cul? Ouais. À la première soirée, on était comme, on capotait, là. On est trop à l'aise, on est avec des cigares. Mais genre, est-ce que tu ferais une dépression si tu serais pas brisée pendant un an? Et je m'en foutrais complètement. OK. Mais quand ça arrive, ça te plaît bien, là. Ben, j'aime ça, ouais. Hey, aujourd'hui, moi, peut-être que je serais me promener comme un peu tout seul. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette entrevue avec Yann Lagarde et Gabrielle Touga-Fréchette, la productrice du film. Et vous voyez ce qu'on peut apprendre lorsqu'on a l'opportunité de discuter avec les artisans et les artisanes des films. Et moi, ce que j'ai retenu, c'est assez particulier, hein, cette façon-là de tourner à Cuba, qui est très facile, contrairement à ce qui se passe ici au Québec, c'est beaucoup plus complexe aussi. Mmh. Alors, je ne sais pas, toi, Richard, dans cette entrevue, qu'est-ce qui t'a accroché? Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est cette relation-là, justement, que tu tournes
à l'étranger. Donc, c'est des habitudes, c'est des comportements qui sont différents, une culture qui est différente. Évidemment, la barrière de la langue. Heureusement, Yann parle espagnol, ce qui a donné un bon coup de pouce. Mais c'est des petits détails nouveaux techniques. Par exemple, on donne l'exemple des ampoules. Ça, ça va bien faire rigoler, ça. Oui, oui, trouver oui. Des ampoules d'un modèle bien particulier, là, oui. Qui se trouve pratiquement plus ici, mais là-bas, tu ne trouves que ça. Alors c'est ça. C'est le genre de détails oui. d'un moment donné. Alors, les dessous hein, des films, oui. C'est ça qui nous permet, que nous permet le festival. Alors, je vous convie à suivre cette série sur le Festival du film de Saint-Séverin. Et de continuer à connaître justement les dessous de tous ces films et de venir vous aussi hein, assister à l'église de Saint-Séverin lors d'une prochaine édition du festival. TV, fier de faire rayonner notre communauté.